Un jour, dans la jungle, il y avait une famille de lions. Un père, une mère et un petit lion de 5 ans. Le père lion était le roi du jungle et il avait le pouvoir maximum. Le bébé lion était très gentil, généreux et surtout modeste. Même si son père était roi du jungle, il traitait toujours les autres animaux égaux. Mais il a spécialement traité le cochon bon, parce que le cochon était son meilleur ami. Le cochon et le lion ont fait toutes les choses ensemble. Mais, un matin, quand le lion et le cochon sont en train de jouer, ils entendent la maman de lion qui les appelle. Elle dit que le père lion, le roi du jungle, a été tué par un chasseur. Papa croit qu'il est mort. Il était le meilleur père du monde. Quelques ans plus tard, le lion est très différent à cause de ses pouvoirs. Je suis le roi du jungle, le plus fort et le plus beau du monde. Le lion est très méchant envers les petits animaux du jungle. Et il continue de les sembler inférieurs. Un jour, le lion passe par la jungle et il voit un cochon dans la boue. Tu devrais être plus gentil à les autres animaux du jungle. Ou vous faisiez quoi? Rien, mais juste parce que tu as le pouvoir, ne dis pas que tu peux traiter les autres comme inférieurs. Le lion se moque du cochon. Regarde-toi-même, tu es dégoûtant. Tu n'as même pas une fraction de le pouvoir que j'ai. Ce n'est pas à propos de ça. Un jour, tu vas comprendre que le pouvoir ne vaut plus que d'avoir un bon cœur et d'être gentil. Mêle-toi de tes affaires. Tu es juste jaloux que j'ai plus de pouvoir que vous. Le lion continue d'être niaiseux aux autres animaux de la jungle. Et il n'y a personne qui peut l'arrêter. Quelques jours se sont passés et il se revoit. Le cochon et tous les animaux de la jungle étaient là pour affronter le lion. Les animaux assurent au lion que le pouvoir ne vaut plus que d'être gentil et d'avoir un bon cœur. Vous êtes incorrect. Je suis gentil. Tous les animaux détestent le lion. Alors, ils votent pour que le cochon puisse échanger avec le lion pour être roi du jungle. Avec la majorité des animaux qui votent pour le cochon, c'est clair à voir qui a gagné. Maintenant, je suis tout seul et tous les autres animaux sont contents parce que je ne suis plus le roi du jungle. Le lion était tout seul pendant beaucoup de temps. Il vient de penser à toutes les choses que le pouvoir a fait pour changer sa personnalité. Et il réfléchit de nombreuses choses qu'il a dites aux animaux. C'est vraiment une langue de vipère avec tous les autres animaux qui sont très gentils à moi. Quelques mois plus tard, le lion rencontre le cochon. Mais le lion avait le trac à cause du fait qu'il n'avait pas le pouvoir de plus. Oh, bonjour, monsieur cochon. Comment allez-vous? Je suis bien, lion. Et toi? Je suis bien et je suis une meilleure personne maintenant. Et je promets que je vais être meilleur aux petits animaux. Est-ce que je peux rejoindre toi et tous les autres animaux? Tu peux revenir, lion, mais pas à le rôle du roi, parce que je sais que le pouvoir change ton personnalité. C'est tout ce que je demandais. Merci beaucoup, cochon. De rien.